La plénière de ce mercredi a examiné en dernier de sa série la question orale avec débat adressée au ministre de Mines par les députés nationaux Lutula Moutika-Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect de cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général et dans le territoire de Mwenga, Chabunda et Fizi en particulier. Pardon ? Ah, vous êtes là ? Ah, mais venez, alors pourquoi vous... J'ai parlé des honorables Masanga. Ah. Non, mais venez. Et je vous connais en plus. Honorable Président, on n'apprend pas à un vieux singe de sauter. Et c'est pourquoi... Je veux remercier le président de l'Assemblée nationale de 2006 qui a conservé les acquis, qui présentement garde les mêmes attitudes que 2006 et qui a concrétisé la conservation des acquis. Par le fait que, Président, vous méritez nos félicitations et nos remerciements pour nous avoir accordé un cadre pareil. Mais, Président, c'est ça le Parlement, Président. Le Parlement n'est toujours pas que qui sont pour, qui sont contre. Voilà ce qu'est le Parlement. Honorable Président, le pouvoir ne se plaint pas. Mais le pouvoir agit. Honorable, je ne pourrais même pas faire les commentaires. Mais à entendre le ministre des Mines sur tout ce qu'il nous a dit, croyant peut-être qu'il a coloré ses propos pour nous amener à ne pas poser la question et lui croire. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Moi, je me pose la question de savoir. Mais de toutes les façons, Président, la situation des mines, les mines qui sont la pierre angulaire de l'économie de la République démocratique du Congo, mais les mines sont dilapidées à la présence du ministre des Mines, Président. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je ne comprends pas. Honorable Président, je vous donne l'exemple des deux sociétés minières. Il y a Alpha Mine à Walikale et Kibali Gold Mining dans le Haut-Touélé. Honorable Président, quel n'est pas mon regret? Je parle sous le contrôle des élites de Haru, qui connaissent la route qui vient de Dar es Salaam jusqu'à Haru, à la porte d'entrée, asphaltée. Pourquoi? Parce que la République ougandaise avait dit les camions qui vont passer pour aller travailler à Kibali Gold Mining, la société doit d'abord asphalter ma route. Et honorable Président, c'est ce qui fut fait. Et imaginez-vous, Président, les mines sont les nôtres. On asphalte la route de Dar es Salaam jusqu'à la porte d'entrée d'Haru, fini. Entrée à Haru jusqu'à Kibali Gold Mining, en terre battue. Président, Président! Non! Honorable Président, je parle sous votre contrôle. Si tel est le cas, et que toutes choses étant égales par ailleurs, si Ouganda, qui n'est pas propriétaire des mines, a exigé à Kibali Gold Mining d'asphalter la route, a forcé la République démocratique du Congo, Président.
Président, c'est vous dit, je pars directement avec la recommandation. Toute affaire cessante, Président, que Kibali Gold Mining arrête de travailler, on demande au ministre d'écrire une lettre de suspendre ça et d'autoriser en connivence avec le ministre des Factures qu'on asphalte cette route, qu'on termine et après Kibali va exploiter, Président. Président, c'est clair, c'est une arithmétique simple. Et Président, nous, normalement, je ne sais pas, ce qui se fait au Congo ne se fait pas partout ailleurs. Président, depuis quand vous allez exploiter ailleurs dans des conditions que celles-là qui viennent exploiter chez nous et vous allez réussir? Je ne pense pas. Pour Alpha Mine à Walikale, qui exploite les minerais, on transporte les minerais par la RN4 de Walikale au PK23 de Kisangani. On n'arrive même pas à Kisangani directement, Kassindi, on apprête RN4. Président, je parle sous votre contrôle. C'est vous qui avez animé cette conférence ce jour-là. La société Strabag, qui a asphalté la route de Tingitingi à Walikale, devait faire 3 à 5 ans. C'est vous, Président. C'est vous qui avez dit. Cette société avait fait 10 à 15 ans puisqu'elle exploitait les minerais en cours de route. Si je mens, vous êtes témoin, Président. Et la route là était asphaltée. Mais au jour d'aujourd'hui, Alpha Mine vous exploite les matières et la route là qui était asphaltée, Alpha Mine utilise les bêches et les pioches pour sauver ces camions qu'ils exploitent en détruisant cette route là. La même chose pour Kibali Gold Mining et la même chose pour Alpha Mine. Ministre, écrivez la lettre, papa. Ne nous demandez même pas. Honorable Président, nous pouvons ne pas bénéficier même les dividendes des mines. Puisque, honorable Président, autant de camions qui passent de Lubutu, PK23, on amène destination inconnue, et ça jour pour jour. Président, où soit, nous ne voulons pas le Congo. Nous disons seulement le Congo, nous avons besoin du Congo puisque nous entrons honorables, tout ça c'est bien. Excellences, messieurs les ministres, honorables présidents de l'Assemblée, les œuvres, nous nous levons, voici l'entrée du bureau, mais c'est ça le Congo, Président. Honorable Président, ça fait très mal. Très mal. Et Alpha Mine à Walikale, qui a exploité les minerais dans les sites, a creusé les mines souterraines à 27 km, Président. Ils ont passé la rivière Losso en souterraine. Ministre, vous connaissez Losso? Président, 27 km, mine souterraine. Alors, même chose pour Kibali Gold, même chose pour Alpha Mine. Président, si nous voulons aujourd'hui mourir, arrêtons d'abord ces sociétés-là et puis nous allons voir qui sont derrière ces sociétés et qui vont s'effacer, Président. Président, mais finalement, nous battons campagne pour quoi, Président? Président, c'est vous qui nous avez dit votez pour moi. Président, vous ne vous êtes pas époumonné ici, même si vous êtes Président. Vous n'êtes pas époumonné ici, Président. Vous avez terminé les Français ici, non? Vous êtes parti en préliminaire et toujours ici, Président. C'est pour chercher d'être Président, Président. Président, sauvons le Congo. Sauver le Congo signifie quoi, Président?
S'il y a des personnes nuisibles qui ne sont pas à mesure de sauver le Congo, virons le président. Non, président, laissez-moi terminer. C'est avec tout le respect que je vous donne, je vais terminer, président. En vous attendre toujours parler, président, quand on vous voit, on vous considère comme une école pour ceux qui veulent apprendre. Puisque quand on apprend, il faut être sincère et franc. Quand quelqu'un connaît quelque chose, la personne connaît. Président, si vous savez maîtriser et diriger les débats, peut-être que vous les dirigez là, qui peut vous critiquer? Alors, président, sous votre contrôle, merci, président, pour votre protection. L'excellence nous a donné les rapports. L'excellence, monsieur le ministre, nous a donné les rapports Chabunda, Fizi, Mwenga. Les rapports est accablant. Excellence, la grande province orientale a Ituri, Tchopo, Otuele, Bazuele. Partout, il y a des minéraux. En attendant même que je pose la question, ça me vient en tête. Quelles sont les mesures d'encadrement? Et maintenant, en nous référant au sujet du jour, Chabunda Fizi Mwenga, vous avez produit un rapport. Et après ce rapport, il y a des irrégularités. Excellence, monsieur le ministre, question qu'on vous pose. Quelle est la sanction que vous avez réservée à toutes ces sociétés-là? Ou soit votre rapport était l'occasion de vous appeler par téléphone? À cela s'ajoute, là nous terminons avec les sociétés minières, l'exploitation illicite des minéraux par les Chinois. Président, moi je suis élève en 1970 et quelque chose. Je n'ai pas vu un blanc entrer en forêt sous le règne Mobutu. Jamais. Les blancs s'arrêtaient à Kinshasa, Kisangani, les grandes villes, ils rentrent. Mais président, ne nous tenez pas rigueur quand nous allons nous battre avec les Chinois en brousse, puisqu'ils sont là. Pourquoi je dis ça, président? Nous produisons les minéraux. Notre acheteur, c'est la Chine. Vous amenez la Chine jusque dans votre champ. Vous voulez vendre les minéraux à quel prix, président? Vous voulez vendre à quel prix? Les Chinois se promènent Trosso, Kisangani, Lubutu à pied. Il est là, nous disputons les maniocs, lui prend les camoundelés de l'autre côté, vous vous précipitez même, je ne sais quoi, président. On est en symbiose avec les Chinois, président. J'ai suivi les ministres. Il avait dit, il faut expulser les Chinois. Excellence, j'ai suivi ça de votre bouche. Il n'y a eu personne entre vous et moi ici au milieu, il n'y a personne. Sorte cette fille ici. Excellence, sous contrôle du président, comment vous allez expulser les Chinois en brousse pendant que quand vous touchez aux Chinois, il vous dit « j'appelle Kinshasa ». Excellence, votre identité c'est Kinshasa ou bien ministre des mines? Pourquoi? Ces Chinois-là sont gardés par les militaires congolais. Excellence, j'ai félicité un garçon dans les réseaux sociaux qui a frappé fort un Chinois. En tout cas, félicitations à ce jeune garçon-là.
Il lui a frappé sérieusement. Honorable. Non, non. S'il a frappé un Chinois innocent, ça, c'est pas bon. Président, il n'était pas innocent, c'est son chef dans les chantiers. Le Chinois a manqué à ce garçon, il a fouetté son frère, il a fouetté l'autre. Le troisième, c'était lui dit que Utaona iya koapa. Et c'était ça, Président. N'amenons pas aux jeunes garçons de se prendre en charge par la démission de la responsabilité de l'État. Les pouvoirs et d'attribution, Président. La compétence est d'attribution. Le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Pour finir, Président, enfin, Excellences, Messieurs les ministres, dans 48 heures, aidez-nous. En attendant d'autres sections qui sont autour de vous, hein. Ça, c'est une attribution administrative. Si ça vient au cœur, Président, même si vous nous conseillez, si nous disons aujourd'hui que nous signons tout de suite là, le ministre part, il va partir. Il va partir. Alors, nous voulons une chose, que dans 48 heures d'abord, gouvernement, arrangez-vous, sortez déjà un document qui donnera la possibilité à tous les expatriés dans la forêt de quitter la forêt. Président, là, il n'y a pas de négociation. Qui nous laisse notre forêt, nous allons nous arranger. Président, quelque chose de simple. Les contrats que nous négocions avec les Chinois, lui a 80-90%, Président. Nous avons 10%, 5%, Président. Il s'y bat là, oui. Alors, merci, Président, je termine. Merci pour exhorter le gouvernement de nous aider à ne pas toujours se fâcher contre eux par les bavures qu'ils sont en train de faire. Merci, Président. Bien. Là, je vais m'efforcer à m'apesantir. Nous remercions la direction de débat par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a opté, selon le règlement, la journée de mercredi au contrôle parlementaire. Et c'est ce qui a fait que, pour la journée d'aujourd'hui, on ait certainement du gouvernement qui devait répondre à certaines questions orales avec débat leur adressées. Entre autres, les infrastructures, les programmes de PDL 145 territoires et les problèmes des mines. Et j'avais opté pour les mines puisque constituant les socles même de notre économie et la manière dont ce secteur est géré, ça fait très mal. Ça fait très mal qui demande à ce que les Congolais puissent prendre conscience et saisir les choses à main. Et selon la manière dont l'exploitation s'est faite d'une manière illicite par les expatriés et la façon dont même nous-mêmes qui sommes propriétaires des minerais, nous ne sommes même pas classés parmi les producteurs mondiaux, les exportateurs même. Mais ce sont d'autres pays par des fraudes qui occupent notre place. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de faire diligence de régler la situation et remettre la République démocratique dans ses droits. Et qu'attendez-vous par remettre la République démocratique dans ses droits? Remettre la République démocratique dans ses droits signifie quoi? D'abord, vérifier et constater les sociétés illégalement installées et qui exploitent
ne suivant pas les normes. Ça, c'est une chose. De deux, il y a des expatriés communément reconnus, les Chinois, qui exploitent les minéraux sans contrôle et sans tenir même de l'environnement. Donc, ils sont en train de détruire l'écosystème à telle enseigne qu'après l'exploitation des minéraux, ils veulent toujours que nous puissions rester brevis sans autre chose. C'est pourquoi le gouvernement doit se rendre compte de ce qui se passe. S'il n'est pas complice, mais s'il est complice, nous au niveau de la salle, nous allons frapper. Il n'y aura pas de complaisance. Puisque normalement, si nous laissons le Congo aujourd'hui, nous avons trouvé ces autres personnes qui ont gardé pour nous et qu'à notre tour, nous puissions vendre ces pays. Non, c'est très irresponsable. Alors, honorable, cela n'est-il pas lié à la sécurité, surtout à l'agression rwandaise, parce que c'est le Rwanda aujourd'hui qui se pointe comme exportateur de cobalt, alors que c'est la RDC qui en est l'auteur. Bien, je sais bien sûr que de prime abord, nous savons bien sûr que cette guerre est économique. Elle est économique pourquoi ? Pendant qu'on est en train de déclencher la guerre, c'est au même moment qu'on est en train d'exploiter les minéraux. Parce que là où ils sont en train d'insécuriser l'espace, ça permet à ceux qui puissent accéder et exploiter les mines. Donc c'est pourquoi nous devons faire d'une pierre deux coups. De la même manière qu'on cherche à organiser les choses et qu'on puisse demander aussi au gouvernement de fournir un effort de terminer la guerre. La guerre se termine toujours par plusieurs mécanismes, soit par la diplomatie, soit par la guerre elle-même. Et ça peut aussi se réaliser par une attente si léger que l'accord doit bénéficier à la République démocratique du Congo. Merci. C'est à moi de vous remercier.